Et yo zaba salut ce coulon, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui vidéo très spéciale. Cette vidéo j'attendais depuis des moments à le faire. J'ai commandé un petit bijou de technologie. Cette bijou de technologie va aider beaucoup dans les compos. Quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup en fait. Parce que là, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû payer cher. Alors le riche, be like, ceci cher, quel gandin. Cela n'est guère cher pour nous. Ah ben non, pour moi c'est vraiment cher putain. C'est... Plus jamais je vous fais un achat de ce type, de ce genre. Parce que moi voilà, ce petit cadeau c'est vraiment, je vais m'amuser vraiment. C'est avec ça que vous voyez, j'ai fait celui derrière moi. Sans plus tarder, je vais vous montrer ce petit bijou de technologie. Avant que je vous le montre, j'aimerais vous faire une petite pub spéciale YouTube. Ça va faire un an donc que j'en avais pas parlé. Mais comme vous le marquez derrière moi, j'ai un poster Monsieur Coulon que j'ai acheté à Utip. Venez dans mon Utip acheter des articles Monsieur Coulon. Et sachez une chose, un article Monsieur Coulon est égal une pub. Oui, vous avez très bien entendu. Si vous envoyez une photo de vous à l'adresse affichée ici, vous pourriez apparaître dans la compo ou la vidéo à la fin. Avec en plus votre lien, que ce soit YouTube, Discord, Twitter, Snapchat ou Instagram ou autre. Je vous en fais la pub si vous achetez un article Monsieur Coulon et que vous faisiez une photo. Et c'est ça, parce que comme ça, ça me fait des dons pour moi, pour vous, pour moi, pour mon plaisir, pour ma passion, pour la chaîne, pour vous et la communauté, pour vous offrir une qualité vraiment beaucoup plus poussée. Et du coup, ça me fait plaisir. Du coup, voilà, c'était la petite pub YouTube. N'hésitez pas à acheter des articles Monsieur Coulon et à envoyer des photos de vous. Comme ça, vous apparaissez en fin de vidéo. Du coup, c'est parti pour vous montrer la bête. C'est le clavier MIDI Complete M32 de chez Native Instruments. Pour ceux qui font du beatmaking, Native Instruments, ça on connaît. Il y a plein de boutons, oui, il y a plein de potards. Que je n'avais pas trouvé l'utilité, la fonction. Il y a plein de boutons que je n'avais pas trouvé la fonction. Parce que j'ai déjà fait un test dessus pour voir si ça fonctionne. Peut-être ça marche avec le Complete Control M32 qui est écrit dessus là, sur ce papier. Sinon voilà, vous avez ici pour gérer. Je crois qu'ils ont dû inverser, mais là c'est pour gérer la vélocité, pour faire des notes, beaucoup plus douces jusqu'au plus puissant. Et là c'est pour des notes, tu vois, un peu. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est plutôt là la vélocité. Et franchement, je suis content. Et il y a plein de petits boutons qui marchent pas tellement sur Compact. Peut-être avec Complete Control, ça devrait mieux fonctionner. Alors, comme vous marquez ici, nous avons un petit écran qui, lorsque j'appuie ces boutons, ça change. Là, vous avez aussi. Ça change là aussi. Quand je change d'octave, ça marche. Voilà, c'est ce petit bijou à coûter. C'est cher, comme je l'avais dit dans la vidéo. Et franchement, voilà, je peux me régaler dessus. C'est vraiment un pur régal. Vraiment, là, je vais vous faire un test. Vous avez devant vous FL Studio. Là, j'ai utilisé French Horn. Et du coup, allez, j'ai appuyé sur une note. C'est bon, c'est vraiment sympa, on peut faire des trucs vraiment. On peut faire des trucs. Ah. Il a pas supporté ça. On peut faire des choses vraiment magnifiques, genre par exemple ça. Attends. Je vais t'appuyer sur la pédale parce que mon piano est branché à l'ordi, du coup il se branche aussi. Et franchement, ça aide vraiment. Comme la télé, c'est la vélocité qui me manquait. C'est voilà quoi. Je suis vraiment heureux de vous présenter ce produit. Franchement, le prix, je dis le prix, il coûte 109 euros. Et pour un petit clavier à 32 touches à 109 euros, c'est vraiment cool. Surtout si quelqu'un sait vraiment gérer les claviers MIDI, chose que moi je ne sais pas.
Au fur et à mesure du temps que je vais composer ou autre, je vais l'apprendre à le dompter cette bébête. Voilà, du coup là c'est mon petit bijou. Il va pas en passer celui-là parce que lui il y a beaucoup plus de notes. Du coup, quand je ferai du piano ou des notes, des pianos ou des notes pizzicato, j'utiliserai forcément celui-là. Sinon, pour les notes en continu qui a besoin de dynamique, j'utiliserai celui-là. Ouais. Après, voilà, du coup, pour ça devrait marcher normalement avec n'importe quel instrument, avec n'importe quel VST. Et du coup voilà, c'est la présentation de ce complète M control. Je ferai une compo bien sûr, quand je ne sais pas, j'en ferai bien sûr une compo, voilà, juste que je trouve l'inspiration. Je pense que ce que je vous ai fait écouter comme test ferait une très belle compo. Vous en pensez quoi? En plus il est tout joli, tout mignon, je l'adore. Il est tout. En plus il est léger. Léger comme tout, je le porte à. Bon, je vais pas me dire que je le porte à petit doigt, mais je le porte comme un serveur le ferait, c'est très dangereux, ne fais pas du tout ça. Mais du coup, voilà, c'est vraiment une pure beauté ce clavier. De base, c'est le truc pour Ableton Live, j'ai vu. Et vu que ça avait marché avec Studio, c'est vraiment bien. Et en plus, chose nouveau, lui s'est acheté des barrettes de RAM. Parce que les compositions, il y a un moment où ça bug vraiment. Du coup, depuis que j'ai acheté la barrette de RAM, c'est mieux. Du coup, je fais du 16 Go. Mais je sais que c'est pas beaucoup, mais voilà. Moi, ça me suffit largement. Du coup, voilà, c'était la présentation de ce petit bijou. Voilà, je suis tout content. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like pour me rendre ça plaisir. Partagez la vidéo à toute votre famille, à vos potes, à vos chats, à vos chiens, à vos poissons rouges. N'hésitez pas à acheter des articles Monsieur Coulon sur YouTube pour que je vous en fasse la pub. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas. Et n'oubliez pas la cloche pour rester aux publications dans la chaîne. Dans ce cas, à la prochaine pour le prochain compo ou la prochaine vidéo. Ciao, c'est beau.